Let's go! Alors on s'ouvre les Grand Creator. Grand Creator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Est-ce qu'en 7 boosters on peut sortir une dinguerie? That's the question! Alors commençons par le premier. El Primera. Je peux les éventrer sans problème. Et on commence avec. Gaga. Quoi? Gagacupunk Pinky Sauvage. Ok. Elle est dégueulasse. Le nom de la carte est dégueulasse. Décharge de tonnerre. Insector extra scarabée. Dracobac, le dragon, chevauchable. Uniquement un monstre que vous contrôlez. Vous contrôlez qu'un Dracobac. Ok, bon, on va voir ce que c'est Dracobac. Le bataillon. Exauceur, Carpe Diven. L'hommage torrentiel qui tombe. Ok, ça fait toujours plaisir, un petit hommage torrentiel. Et. C'est quoi quand ça brille de partout comme ça? J'ai l'appel d'un ami. Non, il va voir. On est d'accord? Ouais, mais c'est bizarre, une Star Egg pour moi, ça brille. Là, c'est la première fois que je vois ça. On dirait une secret chelou. On va continuer. Putain, si, premier booster, on s'ouvre ça. Alors, Insector Frelon. Arsenal secret. Zaralam, le palais des ténèbres. Hommage, encore un hommage torrentiel. Dunel, arme noble de la lumière. Gookie Paul, ça se trouve, je me suis exclamé pour rien, parce qu'en fait, ils sont tous comme ça. Univers X6. Non, ok, là, j'ai une super. Mais là, c'est pire qu'une ultra, ça fait vraiment des stries chelous. S'il vous plaît, quelqu'un vient de me dire. Alors, papillon étoilé, le pire, c'est que j'avais dit le booster est lourd. Papillon étoilé, tracker psychique. Oh! Ah, donc ça, c'est ça, les punk carpe montante. Ok, c'est le monstre fusion. Poisson. Monde virtuel, im, monde virtuel en super. Même pas. En rare, juste en rare, et, ok, juste en rare. C'est du rare pendant longtemps pour moi. Dracobac, à nouveau, qu'on a dit tout à l'heure. Exauceur, donc ça, c'est l'archétype que je cherche principalement, les exauceurs, parce que je les trouve grave. Et l'exauceur en super qui tombe aussi. Ok, les exauceurs, c'est un archétype qui m'intéresse. Faudrait que je vois comment ils tournent, mais je les trouve vraiment belles. Ça va plus être pour la collection qu'autre chose. Je sais pas comment ça va se jouer. Donc voilà. Téléporteur d'urgence. Rizébel, l'expert en étoiles. Gakapuk Punk, rythme endiablé, bon voilà. Un assaut solennel qui tombe! Mais oui, messieurs, dames. Forêt des fleurs perdues. Une autre exauceur, Irène. Et guerrier, Maginérail des reliques. Ok, on ouvre ensuite. Un autre hommage torrentiel. Mais il tombe comme des petits pains, les hommages torrentiels. Insector exascarabé. Insector mille pattes. Joruri Punk surprise Nashiwari. C'est quoi? C'est une collector? 85. Oh, ça va. Un Goki Paul qui pue du cul. Une carpe montante encore avec les machins punk. Ils sont vraiment dégueulasses, les punks. Et une super avec No Punk The Amin. Les cartes punk ne m'intéressent. C'est du psychique en plus. Je suis pas très fan de l'archétype psychique. Donc, c'est pas moi qui vais être intéressé. Insector Cococinelle. En fait, c'est des monstres insectes. C'est rigolo. Tracker psychique. Apple Arsenal qu'on a en mille fois. Ah, un petit Castel qui tombe. Donc ça c'est cool, juste en rare, donc c'est cool. Forêt des fleurs perdues, épée insector, et un autre exauceur, hélice, exauceur. Et le rite de... Franchement le rite il est bizarre, pour une collector elle brille franchement bizarrement. Dracobac le dragon chevauchable, un autre hommage torrentiel, je crois que j'ai un hommage torrentiel presque dans chaque booster quoi, c'est ouf. Imitation d'insecte, ah insector frelon. Exauceur Carpe Divem. Exauceur Armand. Bah, c'est pas. J'ai quelques magies exauceurs. Et une super, du coup. Joruri Punk Madame Araignée. Non, mais. Je comprends pas trop là pour le. Faut que j'aille voir ça vite fait. Ce serait du coup une secret. C'est une collector. Ah, donc. Bah oui, c'est pas une secret. Bah, moi aussi je connais. C'est pas une secret. C'est pour ça. C'est GRGC. Ouais, c'est une collector. Rite de la... C'est la plus chère. J'ai la collector la plus chère. C'est ouf. Alors, en français, elle va de 100 balles à 200 balles. Voilà. Voilà, voilà. Comment dire que c'est une bonne ouverture. Putain, la vache. Voilà, regardez, un peu plus en détail. On peut voir vraiment sur le côté que ça brille demi le feu. Bon, ben merci d'avoir suivi cette ouverture. Je vais couper l'ouverture maintenant. Bisous à tous.